Retrouvez toute l'actu du RCT sur le blog des supporters. www.blog-rct.com www.blog-rct.com. Actu, transfert, interview, vidéo. Vous saurez tout sur les rouges et noirs sur www.blog-rct.com. Blog non officiel. Après cette mêlée côté Stade Français, puisque Julien Dupuy devrait prendre la mêlée. Il a beaucoup donné, Fillol, dans ce match. On a vu deux, trois fois plus dans le truc. Ouais, puis il avait un beau duel, face à Sébastien Thiouzbon, de demi-mêlée physique. Ouais, très physique. Mêlée parisienne qui avance. Ballon dans les pieds de Parissé. Allez, on cherche la pénalité du côté de la mêlée parisienne. On pourrait peut-être l'obtenir. Pour l'instant, M. Roland n'est pas disposé à la donner. Au départ avec Fillol. Fillol, on a inversé avec Tourinoui. Tourinoui extérieur. Bonneval. Bonneval qui traverse. Ça passe après contact pour Arias. Arias 1 contre 1 qui retrouve Tourinoui. Quel essai parisien ! Quel essai parisien ! Quel essai parisien, Mayol ! Eh bien voilà, il fallait qu'ils prennent le jeu à leur compte, les Parisiens, sur cette mêlée dominatrice. Une belle combinaison. On oriente le jeu côté droit, et puis la croisée entre le demi de mêlée Jérôme Fillol et son trois quarts centre Tourinoui, et après une situation de surnombre. On va revoir le départ de Paris, c'est intéressant. On vient croiser, on inverse le sens du jeu, et là il y a un 3 contre 2. La bonne inspiration et la bonne attitude de Bonneval qui vient passer entre les deux défenseurs pour trouver Arias qui résiste au plaquage de la paire pour redonner à Tourinoui qui était passeur auparavant, donc qui est devenu ensuite un des premiers soutiens offensifs, qui va à son tour sur un raffut, une petite percussion, un geste d'épaule, éviter le retour de Gunter, et Paris repasse devant, et nous nous en plaindrons pas parce qu'il y a du suspense. Exactement, ce n'est pas un match à sens unique. Paris qui est venu avec sa jeune garde, Plisson, Bonneval, des joueurs pleins de qualité, et Paris qui inscrit son deuxième essai à Mayol. Et quel essai marqué par Tourinoui. Plisson pour donner 3 points d'avance au Stade Français. Plisson impeccable, ça passe entre les poteaux. Et bien voilà, 26-23 pour le Stade Français. À ce moment du match, c'est le Stade Français qui jouera la finale du Challenge européen. Quel départ avec Parissé et la bonne lecture de Tourinoui. Exactement, et puis aussi les belles attitudes des jeunes joueurs. Hugo Bonneval avec le ballon mis du bon côté pour s'appuyer avec un raffut sur le défenseur qui revient à son intérieur. La lucidité ensuite pour passer malgré tout le bras et alerter son 3 carrel. Eh bien on voit des beaux gestes, on voit des gestes justes, et ça fait toujours plaisir. Lion.